C'est la première fois que quelqu'un de renom international aussi grand fréquente une petite ville modeste de 23 000 habitants seulement. Tony Parker débarquera à Saint-Dié-des-Vosges et ce sera le samedi 9 juillet 2011. Fidèle à sa réputation de ville internationale et puis maintenant de ville sportive, notre ville recevra donc la star de Sant'Antonio, Tony Parker lui-même, pour un match de gala. Et on vous rappelle le rendez-vous donc le samedi 9 juillet à 20h au Palais Omnisports Joseph Claudel. Et puis à noter également l'implantation d'un camp Parker avec des sessions de formation pour des stagiaires, pour des jeunes, assurées par la vedette Tony Parker donc, et des coachs internationaux. Ce lundi 9 mai a eu lieu une conférence de presse à la Tour de la Liberté pour présenter cet événement. On écoute Gaëtan Muller, il est le représentant de Tony Parker. Donc le 9 juillet, c'est la journée match de gala, donc la journée plus que match de gala, mais journée basket sur Saint-Dié, où Tony arrivera donc en début d'après-midi, donnera une conférence de presse en présence de Monsieur le maire et des différents services, notamment du Saint-Dié Vosges Basket. Et ensuite, donc fera une action basket en bas de la Tour de la Liberté, et ensuite se rendra au match de gala qui aura lieu à 20h à la salle Omnisports de Saint-Dié-des-Vosges. Qu'est-ce qui a décidé Tony Parker de venir à Saint-Dié-des-Vosges ? C'est le projet. C'est un projet un petit peu similaire à celui que nous avons monté sur Fécamp, avec une ville à taille humaine, à échelle humaine, et avec des infrastructures qui sont exceptionnelles, justement. Et tout ça l'a énormément plu. Le climat et la géographie aussi, la situation géographique de Saint-Dié a fait que Tony s'est intéressé de plus près, je dirais, au projet. Et puis, au fur et à mesure, la qualité des échanges et des entretiens qu'on a pu avoir avec les différents interlocuteurs ici sur Saint-Dié nous ont véritablement donné l'envie de venir et de réaliser ce projet. Est-ce que vous pouvez présenter le camp, justement, le camp Tony Parker ? En quoi il consiste ? Alors, le camp Tony Parker, c'est un camp pour les jeunes basketteurs, donc licenciés, âgés de 11 à 17 ans, qui sont donc conviés à participer à une semaine entière de basket très intensif, avec des coachs de renom, et puis surtout l'implication, plus que par le nom, mais vraiment par les gestes, de Tony Parker durant toute la semaine. Qui est là en personne. Qui est là en personne, et vraiment, quand je dis implication par les gestes, c'est qu'il commence à 8h du matin, c'est lui qui fait les échauffements, c'est lui qui fait une partie des entraînements, il joue avec les jeunes, enfin c'est vraiment plus qu'un prénom, parce que bien souvent on dit ok, un tel fait un stage en son nom, mais malheureusement, moi en tout cas j'ai le souvenir, étant ancien basketteur professionnel et ayant été justement dans certains camps plus jeunes, que la soi-disant star ou vedette de ce camp venait une demi-journée, voire une heure ou deux. Or, avec Tony, c'est absolument pas le cas. Quand il le souhaite, c'est un devoir pour lui, c'est-à-dire que quand il s'engage sur un projet, sur un camp de basket, c'est pour qu'il soit présent. Sorti des parquets, qu'est-ce qui fait courir Tony Parker, justement, avec ses camps, avec tout son engagement auprès de la jeunesse, auprès de la population ? Bah c'est vraiment, il est vraiment très près des jeunes. On est, et il est très impliqué à travers diverses associations, notamment le Secours Populaire, mais aussi Make-A-Wish, l'association Make-A-Wish, qui permet de réaliser des rêves pour les enfants ayant quelques difficultés dans la vie, on va dire. Et donc c'est vraiment, au-delà du basket, c'est vraiment ce qui l'accroche. C'est vraiment les enfants, redonner, il a conscience de la chance qu'il a pu avoir. Au-delà du travail qu'il a pu effectuer aussi, et il a donc vraiment envie de redonner, et il sait d'où il vient, et il garde les pieds sur terre, et je pense que c'est très important.